Alors bienvenue à tous pour cette deuxième partie de cette aventure sur Craven Manor. Personnellement, je ne pensais pas en faire une deuxième, mais j'étais voir un peu sur le net et effectivement, il y avait une chose que j'avais pas vue et qui se débloquait et qui peut me permettre de continuer l'aventure. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous aviez la possibilité qu'en fait, quand vous regardez le pantin un peu maléfique là, ça fait penser un peu comme Emily Want to Play. Il faut bien regarder en face et reculer tout en le regardant. Et il bouge pas tant qu'on le regarde. Et dès qu'on le regarde plus, il avance. Donc ça fait vraiment penser au même système qu'Emily Want to Play. C'est un autre jeu d'horreur, hein, ceci dit. Ensuite, vous avez. Et du coup, ça nous permet d'explorer un peu plus la pièce. Et effectivement, derrière ce sableau, il y a quelque chose à voir. Donc on va y retourner. Et on va continuer l'aventure ici. Allez, c'est parti. On continue. Allez. Donc, on retrouve la fameuse porte. Notre ami qui rentre ici. Donc, vous voyez ici. Là, il y aura la photo qui va apparaître. Là, il y aura. Ah, là, il y a un livre ici que je peux pas lire pour l'instant, mais qui sera possible de lire une fois que l'ennemi sera présent dans la pièce. Et je pense que en activant ce livre, ça va activer quelque chose. Et ici, elle me semble avoir vu quelque chose ici aussi. Alors, on va aller voir. Là, on va rentrer ici dans la pièce. Ici, classique. On ouvre. Les photographies. Donc lui, il tombe. Alors dans la pièce ici, là, il y a la possibilité de voir le livre qui est là. Donc là. Alors il faut le regarder. Il faut le regarder. Voilà. Il faut le regarder. Il faudrait reculer. Voilà. Tout en reculant. Vous voyez, je reste un peu plus longtemps. Ah, ma lampe torche! Il est où? Il est là. On va se trafer. Allez, deux secondes. Vous voyez, tant qu'on le regarde, tout va bien. Là, il s'est relevé. Là, il y a le livre, du coup, que je peux lire. Oh là là là, est-ce que j'aurai le temps? Ici, on se recule. On se recule. On va aller voir le... Ne bouge pas, toi. Hein? Il a pu l'activer. Oh putain! Non, 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 je suis là. T'es où? Oh putain! Merde! Mais voyez, c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Donc je viens de comprendre. Hein. Donc en fait, effectivement, l'ennemi. Tant qu'on le regarde, il n'avance pas. Allez, ici. Ok. Et je sais que c'est le tableau, hein. C'est le tableau à utiliser, mais... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tout de suite près du tableau ici. Voilà, là il est là. Bouge pas. Hop. Oh là là là. J'ose pas me retourner du coup. Ah putain, j'aime pas. Ah mais il approche là.
voyez la petite oh. Une sorte de chose qui est attachée au rideau là. Ça. Ça, moi je veux l'activer ça. Oh putain. Non! Oh putain. Ouh. Oh merde. Ah, là, la corde. Hop, j'ai tiré sur la corde. Mais il est où? 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 Vite! 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 Voilà! J'ai trébuché sur notre pièce à la maquette. Je coucher. L'horreur vit dans les recoins obscurs, un endroit entre la curiosité et la folie. Je peux le sentir, cela cherche à me détruire. Et là, on, effectivement, dans ce journal, on n'avait pas vu, mais il y a la clé que j'ai trouvée qui se met en couleur jaune. Et donc, il me manque l'engrenage et le levier, en fait. C'est ce qui est indiqué sur la gauche. Ah, c'est dommage que je ne peux pas sauvegarder, là. Comme dans d'autres jeux, où il est possible de sauvegarder, mais là, je ne peux pas. Allez, on approche. Ici, il y a des notes. La nature des limbes s'est révélée à moi. C'est un réceptacle dans un état d'existence dans lequel l'esprit peut être contenu. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, ces phrases-là, mais ça met juste dans l'ambiance, quoi. Ici, il y a un autre livre, une photo, une page déchirée. Une illustration soigneusement détaillée d'un bras humain trempé dans le bronze avec des pinces. L'étiquette donne certaines instructions comme si elle était déchirée d'un manuel. Là, j'ai la maquette du grenier. J'ai pas envie de la prendre tout de suite. Mes premiers succès furent brefs mais fortifiants. Après le rituel maléfique à Rome, les grands orbes retinrent les esprits pendant quelques secondes et diffusèrent une lueur visible. Ok. Bon, bah là, j'ai pas choix que de prendre la maquette du grenier. Allez, on prend la maquette du grenier. Ici. J'ai trouvé le modèle réduit d'obscur grenier. Je n'ai pas envie de pénétrer dans cette salle. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh là là, je sens que je vais me faire. Allez. On va placer la maquette. La maquette du grenier. Dans quel sens on la met? Et on la met où surtout? Peu importe où on la met. Hein. Donc le grenier. Ici. Allez, petite sauvegarde s'il te plaît. Oh, je fais pas de sauvegarde. Note de William Craven. Au début, il n'était pas nécessaire de prouver que la conscience logique suivait l'esprit. En effet, pour les 19 premiers, leur esprit n'était pas une grande perte. Oh là, j'aime pas. Là, il y a un globe. Petite maquette. Une petite note ici. Une liste manuscrite de 23 noms, chacun suivi par une empreinte de pouce différente. Parmi les noms se trouvent Howard, Larson et Edgepeff, qui avaient disparu, me semble-t-il. Ça, on dirait un truc de fantôme, ça. Oh, j'aime pas. Ok. Ouais. Allez. Là, il y a des livres. Là, c'est fermé. Ah, ici, un petit levier. Je l'active ou pas? Ok. Je vais pas y aller tout de suite. Je sais que le grenier s'ouvre là, mais je préfère continuer l'exploration avant d'y aller. Ah, ici un autre clavier. Mais avant, moi j'aime bien regarder ce qu'il y a.
Alors, la Basilica Chimica contient une description philosophique et les méthodes d'application de remèdes chimiques de choix tirés de la lumière, de la nature et de la grâce. Ici, c'est fermé. Là, il y a un petit coffre, là. Mais je peux pas le... Je peux pas l'utiliser. Ok. Bon. Bon. Sauf que là, ça me bloque le passage, hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix là, faut que j'aille au grenier. Ce qui m'embête, c'est qu'il m'a pas fait de sauvegarde. Hein. Enfin, du moins, j'ai pas vu. J'aime pas ces trucs de drap là. Je vais finir par y trouver l'engrenage ou un levier. Certificat de naissance. Le certificat de naissance de William Craven, né en 1857, de Jacqueline et de Lord George Craven de Duffel Pass, Virginie. 1857. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh là 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 là. Oh, je me méfie maintenant. Une boîte. Quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai été touché là? Oh merde, il est là! Oh merde, il est là! T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es là! Pas bouger! Pas bouger! Pas bouger! Il est dans le miroir! Il est dans le miroir! Il est dans le miroir! Oh putain! Oh, j'aime pas. Quoi avec ça? C'est bizarre ça. Donc à la limite, il faudrait couper la corde qui est là. À mon avis, il va rien me faire lui. Là, tu vas me rien faire, Coco. C'est juste un reflet. D'accord. La corde, elle est là. Elle passe là, elle va ici. Elle est attachée ici. Il faudrait que je brise le miroir. Ah, attends. Et moi, je veux bien prendre un objet, s'il te plaît. Voilà. Allez, on le jette. Merde, je pensais que ça allait briser le miroir. Ah. Putain. Et en arrière. Il n'y a pas, faut que je passe. Il faut que je passe. Ici, y a rien. Il
Il y a ça qui se met en surbrillance, quoi. Il y a quelque chose à faire là-dessus, mais je quoi? Quoi, quoi, quoi? Jeter là-dessus? Non. J'avoue que je suis plutôt circonspect par rapport à ce truc-là. Ah, il faut peut-être mettre des choses dedans. Oh, ça. Non. On fait du basket ou quoi là? Dis-moi pas que c'est du basket. Putain. Le mec, il aime le basket, hein. Je suis sûr que c'est ça. Sûr que c'est ça. Pour que il faut mettre des choses dedans pour le faire. Ah putain! Mais c'est pas vrai, pas y arriver quoi. Approcher, faire ça, cliquer dessus, non, non, pas pratique ça, hein. Allez, je mets bien haut quand même. Ah, ça me saoule ça. Ah, ça y est, je l'ai mis dedans. Voilà, ça s'est baissé. Par contre, j'ai plus l'image du gars derrière. Voilà. Encore un? Passer. Sauvegarde en cours, c'est bien. Merci de sauvegarder. C'est quoi ce bruit? Oh là 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 là. Ah merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Des fois, ça frise un peu. L'engrenage que je cherchais est là. À vitesse, juste hors de portée, il y a une fenêtre brisée dans le fond qui mène à l'extérieur. Pas tout compris. À vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction n'est pas bonne, je pense. Le tour pour récupérer le. Ah, manette de la maquette de la bibliothèque. Alors c'est bien beau, mais d'abord. Ah non, je peux pas la prendre. Je peux pas faire le tour pour l'engrenage. Attends, je reviens. Je reviens ici. Ah non, c'est là. Donc c'est hors de portée. Donc je peux pas la prendre apparemment.
si je crois bien comprendre. Hein. Je ne peux pas la prendre. Donc on va prendre la maquette de la bibliothèque, puisque apparemment c'est ce qu'il veut que je fasse. J. J'ai retrouvé le modèle réduit de la bibliothèque, celui qui était sur la table quand je suis arrivé. Il comporte deux entrées, l'une d'elles sans communiquer à l'étage supérieur. Ok. Allez. Tu vas me faire peur, toi, maintenant. Hein. On descend. Oh laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Non, 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 ta, 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 ta. Laisse-moi partir juste. Laisse-moi partir juste. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, putain. Oh là 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 là, faut que je me retourne. Oh là là, faut que je me retourne pour l'ouverture de la porte. La porte est fermée derrière moi, je pense. Ah, c'est fermé. Il est où? 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 Merde. La porte est fermée. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Oh non, non, c'est pas vrai, j'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas ce genre de truc, putain. Bon. Alors, ça me fait revenir où? Ici. Génial. Tout ce que j'aime pas. Alors ici, voilà, tac tac tac. Engrenage. Ici. La bibliothèque. Là, il y a un livre ici. Mais... Allez, on se casse. On descend. Donc là, on a notre coucou qui est là. Si j'active le levier, ça descend, je suis bloqué. Ah, oh, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ah oh, là 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 là. Je pense qu'il faut reculer, hein, mais. Il faut que j'active le levier pour l'empêcher de passer, je pense. Non, 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 non. Reste où t'es, là. Il n'y a pas un levier, là, pour faire baisser le... Si, là. Faire baisser la trappe. Putain, tu m'énerves. J'ai pas eu le temps. Typiquement le truc que j'aime pas. C'est le seul truc dans ce jeu que j'aime pas. Ne pas savoir ce qu'il faut faire. Et mourir, 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 et puis pas savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et surtout, tu peux pas sauvegarder quand tu veux, quoi. Ça, ça m'énerve. Parce qu'à la limite, je recommence juste avant. Mais je me tape pas tout, quoi. Et ça, on peut y accéder que de l'extérieur, je pense, par une fenêtre. Il n'y a pas photo, c'est par la fenêtre qu'on y accède. Ouais, ça c'est rien, c'est parce que je suis tombé sur un globe qui est tombé par terre.
on prend la manette de bibliothèque. Et là, ben, on va descendre, j'ai pas le choix, de toute façon. Et quelque part, ça m'emmerde. Parce qu'il est là, le gars, quoi. Et mourir à répète lors d'une vidéo gaming, c'est pas super, hein. Voilà. Du coup, on va passer devant toi, là. Tu vois? Voilà. Voilà. Attends. Hop, je te continue à te regarder. Ici. Non, 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 non. Putain, dès que je touche, je bouge la tête, quoi. Oh là 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 là. Ah, j'ose pas. Et là. Cours, 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 cours. Voilà. Oh putain. Alors. La bibliothèque, on va la mettre ici. Est-ce qu'on peut pas la mettre autrement? Non, apparemment on peut la mettre que là. Ou ici. Mais dans tous les cas, la porte, elle s'ouvre par là-bas. Hein. Allez. Donc la bibliothèque, c'est ici. Le seul problème, c'est que la bibliothèque, ben, j'ai pas de levier. J'ai pas de levier. Alors, à moins que je peux y accéder par l'étage, ouais. Ouais, c'est à l'étage. On va essayer l'étage. On va essayer l'étage. On va essayer l'étage. Sauvegarde, magnifique. Une petite énigme ici de porte. On va peut-être fermer la porte là. Voilà. Trois livres à pousser. Et une porte ici. Alors, on va ouvrir. Allez. C'est ici. Oh putain, le bruit que ça fait. Alors, ça c'est bon. Premier. Deuxième. Troisième. Pas trop compliqué. T'étais là, hein, Coco. Donc là, il m'indique un livre ici. Il y a d'autres livres sur la bibliothèque. Alors, est-ce qu'il m'indique par erreur qu'il faut faire celui-là? Oh, putain. Ah, j'aime pas lui. Casse-toi, casse-toi du con. Ah, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Oh putain, t'es juste là. Allez. Fais ta vie, garçon, va-t'en, quoi. Fais ta vie, fais ta vie. Oh putain.
Déplace-toi. Là, il y a un livre sur la droite. C'est pas le bon livre parce que ça m'a fait un petit bruit un peu bizarre. C'est pas le bon livre activé. Merde. Faut que j'en trouve un autre de livre. C'est pas le bon. C'est pas le bon non plus. Faut vraiment le garder en vue, lui. Super noir. Je vois rien. Ouais. T'es où? Putain, t'es où? Ah, t'es là. On recule. Pas de livre ici. Là, il y a un livre, là. On avance. On se trave sur la gauche. Non, j'ai dit on se trave sur la gauche, s'il te plaît. On avance. Ah, merde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il met AD. AD, c'était, je pense, les touches de base pour des mouvements. Moi, j'ai tout changé, j'ai tout modifié au niveau des mouvements. Alors, si ça tombe, c'est pas AD qu'il faut que j'appuie. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas déjà si compliqué comme ça. Il faut que tu... Oh là 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 là. Parce que AD, moi, ça ne fait rien, quoi. AD, pour moi, c'est ça. Mais... C'est pas déjà compliqué assez comme ça pour que tu me rajoutes ça, quoi. Ah, on va le faire son AD hein, si c'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir, mais. Oh là 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 là. Ça me fout les chocottes. Là, il y a un livre ici, mais je pense que c'est pas le bon. T'es où? T'es là. Allez, on recule. Là, il y a un bouquin, mais je suis pas persuadé que ça soit le bon. C'est pas le bon. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec ce monsieur. Il est en fait le mec là. Je recule, mais si ça tombe, il est derrière moi. Oh là 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 là. T'es où? Putain, mais il est où ce mec? Oh! On va rester tranquillement, on va pas s'énerver. C'est vraiment comme Emily Want to Play, hein. En moins flippant qu'Emily Want to Play, mais Emily Want to Play, tu faisais des bons tous les deux secondes sur ta chaise.
Donc si vous voulez vraiment un jeu d'horreur qui fasse qu'on appelle ça des... Je sais plus le terme en anglais pour dire qu'on sursaute tout le temps. Il faut prendre Emily Wants to Play. Là vous jouez 5 minutes et après vous éteignez quoi. Non. Putain, fais ta vie. Là, il y a un petit symbole là. Tu vas me laisser cliquer sur le bouton. Il y a le truc du AD là qui m'inquiète perso parce que. Quel bordel ce truc! Putain! Mais t'es où? Ah, c'est ça! Bon! Je pense que j'en ai assez vu. Hein. J'en ai assez vu. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette deuxième partie vidéo. Franchement, je pensais pas qu'il y en allait avoir une deuxième. Donc, c'est déjà bien qu'on ait une deuxième. Je suis encore moins sûr qu'il y en ait une troisième. Mais parce que ça, ce truc-là de touche là, activé en vitesse record, le temps que j'achète la souris, que je regarde où est-ce que sont mes touches AD, c'est compliqué, quoi. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi, et puis à bientôt sur une autre vidéo, sûrement sur un autre jeu. Enfin, allez, à tantôt, ciao.